Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti. Tant que l'autre bord de l'eau, jeudi, c'est vendredi 29 novembre 2023. Bienvenue dans le journal. Puis, gros point de vague pour nous développer pour aujourd'hui dans le journal. Ça, gros pression a fait. Sous président Joe Biden, migrants ont déplacé pour rentrer dans le pays États-Unis pour capable venir chercher, travail. Juge Alain Duniel, dimanche, la gué coucou rouge, d'ailleurs, Judas Célestin, ancien candidat à la présidence, la PA, ensemble avec madame, mademoiselle et messieurs, Kenton lui comme quoi c'est un monde qui t'a dans corruption. Guerre Israël à Masta lui-même lui toujours à continuer après plus en plein pendant Pep Gaza lui-même lui a entré dans une crise humanitaire plus profonde. C'est tout point ça yo à divers autres. Nous allons pour nous développer pour dans journal ça, restez connecté avec nous. Yon façon capable toujours bien informé. Yon autre fois encore, bonsoir pour nous tout temps et bienvenue dans développement journal. Ancien candidat pour poste président dans le pays d'Haïti, Judas Célestin, eh bien, juge Jean Alduniel, dimanche, en lage coucou rouge, derrière ancien candidat, ensemble avec Kenton Lu, comme quoi c'est un monde qui trouvait dans la corruption lorsque vous même yoté trouvé en dedans tête l'État. Eh bien, même Judas Célestin, ça, amis internautes, lui-même qui t'a dirigé dans tête l'État, eh bien, gagné après que juge là, lui-même, lui t'a demandé pour qu'il soit capable de présenter devant la justice en 22 décembre qui se passe, eh bien, lui-même qui pas jamais paraître devant carré juge là, eh bien, dans le moment, gagné juge là, lui-même, lui demandé pour qu'il soit capable de lui passer l'ordre, capable d'arrêter Judas Célestin et même mettre coucou rouge en une façon, quel que soit, n'importe côté où t'as joué, non, eh bien, ancien candidat à la paix, hein, pour qu'il soit capable de marrer ensemble avec Kenton lui, pour capable de marrer dans la vie là, poter au bayo, pour qu'il soit capable de faire ça ou qu'on est ensemble avec eux, pour qu'on ait tout. Est-ce que ça qui est reproché, c'est à yon vérité. Yon l'autre côté, toujours même question justice, ça, amis internautes, gagné ancien président Joseph Michel Martelly, lui-même ensemble avec yon l'autre ancien président qui c'est Jocelyne Privé, et bien deux anciens présidents, ça yon en processus pour yon capable, et bien présenter devant la justice, devant carré juge Alduniel dimanche, lui-même qui reprochait avec ça yo comme quoi c'est un monde qui t'a dans corruption et gagné deux ex gagné plusieurs ex et une série de ministres tout qui t'est trouvé dans corruption amis internautes comme quoi gagné Joseph Anjout gagné Laurent Salvador Lamotte ensemble avec Jean-Max Belrive et ben moun sa yo tout yo va gagner pour capable paraître devant carré juge là pour poser aux questions et que ça reproche à est-ce que c'est la vérité que lui-même lui taillé, mais d'après rapport ULC, c'est lui-même lui te fait souti, et bien tout le monde sa yo, c'est des monde qui t'a trouvé dans la corruption, et surtout Judas Célestin lui-même qui t'a fourré mille très fond dans le corps de l'État, et surtout ensemble avec Kenton lui-même qui t'a volé titre pendant lui-même lycée. Directeur général CNE. Yon l'autre côté, toujours gagné tout, conseil de ministre tout, tant que Joyce Isnader, ensemble avec Florence Duperval, ainsi qu'on série de monsieur qui trouvé, qui trouvé dans le Parlement, tant que Willou Joseph, Clovis Oba, tout le monde sa yo va gagner capable présenter devant la justice, devant carré, juge Alduniel dimanche. Et bien, quand il s'agit de tout ça, qui ou même yore les madame, mademoiselle, dit monsieur Judas Célestin, et bien, non seulement, mais l'autre monsieur qui est capable de paraître devant juge, et monsieur lui-même, ensemble avec un citoyen qui yore les Kenton Luya, quand il s'agit de même, c'est arrestation directe, que lui-même lié. Yon l'autre côté, gagné en dedans la Tibonite, bagayo patou. Eh bien, Kafoupe lui-même, nek sa vin ou débarqué en dedans. Eh bien, c'est pas deux coups de balle, yon va faire chanter. Gen plusieurs moun qui déjà fait voir la poupée sans chapeau. La côté gen une série de moun qui blessé. En pile moun en dedans population a lancé SOS à la police. Pour comment que yon même yon capable de porter au secours pour protéger moun sa yo qui déjà blessé avec l'autre lui-même. Que la que bandit a chanté coup de balle sou yo. Yon l'autre côté, genye bandi aksam tou, yon lance, yon vide coup de balle lan, eh bien, sou citoyen ki ou le Tony Mix lan, eh bien, se vole en bas coup de balle hier soir, aux environs de 2 h du matin, nan yon
programme que même en lit a fait dans Delma 60 ans dans Caillou Night Club. Et bien après action ça amis internautes bandit ça malgré ou pas arrivé identifié yo vide coup de balle sous machine Tony Mix vite crasé vite prend balle tout comme machine nan c'est tout balle mais pour en pile moun zami internaute et bien c'est grâce ensemble avec la prière maman avec prière papal qui fait les mêmes li sorti la vie sauve c'est ça plusieurs maman nan fil nan famille yo même yo déclaré actualité a sous plan international gros pression ap mette sous président Joe Biden on série de migrants qui sorti nan pays Mexique qui partage même frontière ensemble avec pays États-Unis malgré yo ap entré pour capable yon entente en deux pays sa yo avec migrants yo et ben te yon délégation qui était sorti dans pays États-Unis qui était en tête li Anthony Blinken pour rencontrer ensemble avec président Mexique là Andrés Obrador et bien jusqu'à présent pas jamais bien rien qui était réalisé malgré gen gros entente qui t'a fait et bien gagné migrants mexicains yo déplacé yo couri yo entré capable arriver dans pays États-Unis en pile là dedans fait qu'on est c'est seul côté ou même yo pensé yo capable joindre yon la vie meilleure pour capable prendre soin famille pour aider madame aider mari et aider petite gen Israël là en dedans Moyen-Orient li pa campé n'yo pas décidé camper ça et bien Jean Israël li même li campé depuis 7 octobre qui s'est passé à militant Hamas yo te vide coup de balle sur une série de Israéliens et kidnappé plusieurs là-dedans yo et bien Israël li même beaucoup de parle dans sens ça li fait connait que guerre li même li pa jamais campé pour le ta campé c'est tout autant que li ta weke tout militant Hamas yo yon graine pas existé sous la terre bénie et bien avant hier yo même yo entré en dans yon tunnel yo remarqué côté que plusieurs conseil de militants Hamas yo même yo caché et bien yo crasé démenti le tunnel ça yo à la recherche l'autre tunnel pour capable voir est-ce que pas des militants Hamas qui caché pour comment que capable déraciner tout militant Hamas qui existait en dedans tunnel yo et bien président israélien lui-même lui fait comprendre tout autant que lui-même lui pas démenti bilé Hamas tout autant que lui-même lui pas fini ensemble avec yo guerre ça lui pas jamais suspendre fuck Israël li remporté victoire sous Hamas et pendant cette guerre ça lui-même li a continué déjà gagné plus que 20 000 moun qui déjà fait voile pour pays sans chapeau parmi la deux gagné plus ti moun ensemble avec femme qui rive mourir et Hamas lui-même là gagné militant Gaza en dedans Gaza yon la trié moun a entré dans sa que crise humanitaire côté yo pas capable jeune manger gagné yon c'est des moun qui t'a remé poté concours humanitairement parlant avec moun sa yo mais malheureusement yo pè pou ke et la main israélienne nan pou ke l pa vide coup de balle sou yo madame mademoiselle et monsieur c'est point ça on est arrivé développer pour nan journal ça rete connecté ak nou pou ke ou même capable rete bien informé entre temps nous cal quitter avec VOA créole n'a pas rappelé moun ki t'a présenté au journal ça c'était zanmi Jerry Cherestal et ki te mdou jodi a c'est 29 décembre 2023, c'est dernière édition journal nous. Pour année 2023, n'a pas retourné 2024 pour yon journal qui pi neuf, mais n'a pas dit, si toutefois ou même wap conduit pendant dernier jour ça ou pral fêter, pas bouin, et si toutefois wap, si wap conduit pas bouin, et si wap bouin pas conduit, yon façon pour nous capable rewe pi neuf et pi bel pendant année 2024. Entre temps, n'a pas quitté ensemble avec VOA Creole pour divers reportages. 2023, c'est dernier programme nous pour année ou bien dernier rendez-vous info pour année. Déjà nous souhaitons nous passer une bonne année. Moi c'est Jacques Belizère, quelques grands points cap dominé actualité. États-Unis politique, États-Unis immigration, pression yo a continué sous administration Biden nan par rapport à situation sous frontière pays à partager avec Mexique. Actualité dans région Moyen-Orient, guerre Israël Hamas la, l'armée État hébreu a continué avec une opération brutale sous Gaza avec objectif pour attaquer l'autre tunnel Hamas. En Haïti, bilan qui continue à sortir montre qui jan année 2023 est catastrophique pour pays à dans niveau sécurité, social, économie et latrier.
C'est pour ça yo avec l'autre accord nous pral gain pour nous développer dans dernier rendez-vous info pour année. Actualité a mené d'abord dans New York côté avec un bilan sous conflit Israël Hamas, un bilan qui loue en pile. Secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres présenté un discours fin d'année avec un message la paix pendant que Conseil sécurité Nations Unies lui-même l'y tape réuni sous situation dans région Moyen-Orient. Nous allons rejoindre Valerio Saint-Louis depuis New York. Dernier bilan en date 22 décembre 2023 qui fait sous victime la guerre entre Hamas et Israël fait qu'on est que plus passé 20 000 Palestiniens, là-dedans plus passé 8 000 Timoun, 6 200 femmes et 61 journalistes qui perdu la vie. Ils estimé que t'as gagné plusieurs milliers d'autres cadavres communs enterrés en bas des brio. Chiffre quantité la mort civile ça qui c'est résultat guerre entre deux peuples Israël et Hamas yo, t'es poussé yon parti dans la communauté internationale là accusé Israël de crimes de guerre. À peu près 3 millions Palestiniens déplacé à cause de la guerre. Bon côté pas peuple Israël là, la guerre dans Gaza qui était déclenchée depuis date 7 octobre là, causé la mort dans mitan force l'armée israélienne dans Gaza. Chiffre là t'est monté à 167 depuis offensive la guerre à Téa t'est commencé. Ça qui t'est porté quantité troupes qui t'est mouri depuis les ça a plus passé 500 moun dans rang l'armée peuple Israël là. Peuple Israël là fait qu'on est campagne bombardement avec offensif attaque souterrain nécessaire, yo gens pour craser Hamas et puis empêcher attaque qui t'est fait 7 octobre là répété. Côté militant Hamas, d'après Plo, t'es écrasé gros défense peuple Israël là et t'es tué environ 1200 monde, surtout civils, et t'es kidnappé environ 240 autres monde. Organisation Nations Unies fait plusieurs démarches pour demander un camp tiré dans mitan guerre et pour permettre aide humanitaire arriver joindre population civile là dans Gaza. Secrétaire général là Antonio Guterres dans message traditionnel pour nouveau année a te dit 2023 has been a year of enormous suffering, violence and climate chaos. Humanity is in pain. 2023, c'était une année de grosse souffrance, violence et désordre climatique. Guterres a demandé pour les nations de faire effort pour résoudre le problème et pour faire 2024 là une année pour construire confiance et espoir. Tout ça nous capable d'accomplir ensemble. C'est à travers une vidéo pré-enregistrée que le secrétaire général des Nations Unies a continué à parler pour le dire. Together, we must stand up against discrimination and hatred. Ensemble, nous devons lever camper contre discrimination et trahissement qui a empoisonné les relations entre pays et communautés. Et puis, nous devons assurer que les nouvelles technologies, tant que l'intelligence artificielle là, c'est une force pour les biens. Chef Nations Unies te mette accent tout sous la paix. But pointing fingers and pointing guns lead nowhere. Mais longe douet ak tire zam pa mene nou aucun côté. Et il ajoute que l'humanité pi fò les nous camper ensemble. Antonio Guterres dans discours il a répété que l'organisation mondiale là pral continuer rassembler monde là pour la paix, développement durable à droit monde. On prend décision pour faire 2024 une année pour nous bâtir confiance à espoir dans tout ça nous accomplir ensemble. I wish you a happy and peaceful new year. Moi souhaite nous une bonne année avec la paix. C'est comme ça, secrétaire général Nations Unies, Antonio Guterres, t'es conclu message l'IA. Jeudi à 29 décembre 2023, Conseil sécurité a été réuni sous situation dans Moyen-Orient. Pays membres t'a débattu sous crise humanitaire avec une proposition pour mettre fin à la guerre entre deux peuples dans Gaza, dans une résolution 2720 qui mandait libération otages sans perdre du temps et puis cohabitation palestinienne et israélienne dans la paix. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Et malgré réunion ça, eh ben, gain l'armée israélienne qui continue à piler, pilonner Gaza avec objectif pour yo capable atteindre l'autre tunnel et militant Hamasio. Nous parlons pas l'immigration, immigration États-Unis, immigration politique tout. Eh ben, gain pression qui continue à faire sur l'administration Biden par rapport à situation sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là. Et d'un moment on a parlé la grand caravane qui prend direction frontière. Et dernière nouvelle, fait qu'on est que frontière qui était fermée, et ben li ou l'ouvri, on a besoin ça, pibré. Plusieurs dizaines de migrants traversent Rio Grande du Mexique pour entrer aux États-Unis après annonce du président mexicain Andrés Manuel López Obrador que pays voisin accepté pendant une visite d'une délégation américaine haut niveau qui était en tête le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour ouvrir encore passage frontalier que Washington a fermé. Ça qui montrait, d'après ça, Mexique et États-Unis dit, voyage urgent mercredi a permis de faire une avancée dans la gestion de la crise migratoire là, dans le moment deux pays a pas avancé dans la direction yon année électorale. Précision avec président López Obrador dans une conférence pour la presse sous rencontre ça. Tenemos que estar atentos para que no se cierren
Nous te veillatifs pour frontière pas fermée, nous joignons accord frontière ouvert pour chemin fer, ak pour pont frontalier, une façon pour normaliser situation. Gétou yon communiqué ministère relations extérieures pays Mexique qui précisait hier jeudi a deux pays yo mette yo d'accord pour gagner yon migration ordonnée sous frontière. Et deux délégations d'accord pour y rencontrer encore dans le mois janvier 2024. Là, sans communiquer, à pas préciser date exacte là. N'a pas rappelé devant gros crise migratoire ça, États-Unis t'a fermé plusieurs points passage qui mesuraient plus passé 3000 km sous frontière deux pays partagés en cours. Par exemple, chemin de fer entre El Paso et Ciudad Juarez qui ont même déjà ouvert. Manuel Bianco, c'est un migrant colombien qui gagne 27 ans et qui sauvait un petit chien qui est Kiara. Regresar con mi familia porque está allá esperándome. Tengo dos hijos. Yo te abandonné là en train et nous pas de quitter le pour compte. Qui donc moi prendre avec et depuis deux mois m'a pas soin. Et si on quitte nous tous les deux à entrer m'a kembe. Dans groupe migrants ou joindre sous frontière, gain citoyens en pile pays dans Amérique latine à Caraïbes là et même gain un jeune garçon qui c'est mon pays Angola qui plaignait pour trahir le passé. La situation m'a difficile de vivre d'aqui au passé. Migrant Golé a dit là, c'est situation qui est plus difficile, plus terrible que jamais passé dans la vie. Dans visite mercredi à dans Mexico, secrétaire d'État américain Anthony Blinken te gen avec tout responsable département sécurité nationale là, Alejandro Mayorkas, conseiller pour sécurité nationale dans la Maison Blanche, Liz Sherwood Randall. Washington réalise visite ça et la fait négociation ça avec Mexico. Dans moment élu républicain dans Congrès a mette pression côté y a exigé un accord sous immigration avec président Joe Biden qui s'est appion boucantage en donnant pour un nouveau enveloppe, nous voulons dire un nouveau magot l'argent pour aider Ukraine dans guerre l'a mené contre la Russie. Donc une situation que n'a pas su pour dans le Congrès à côté que gain élu républicain qui a fait continuer faire pression sur président Joe Biden pendant nous dans dossier immigration et ben gain Gerline Joseph qui est directrice exécutive Asian Bridge Alliance qui lui-même fait considération sur plusieurs points notamment sur évaluation programme humanitarian parole là dans pays d'Haïti. Jusqu'à présent et genre ça que nous capable dire nous gagnons un dernier chiffre qui sorti directement dans le gouvernement américain. Côté que si nous avons gardé la quantité de monde qui a appliqué, nous gagnons plus que 1 million, presque 1,5 million haïtiens qui a appliqué pour le programme. Étendez bien, oui, plus que 1 million jusqu'à 1,5 million haïtiens qui a appliqué pour le programme. Et yo gagné à peu près 140 000 qui approuvé. Alors si on regarde quantité moun qui a appliqué, on dit que ça bon, li pas vraiment un succès. Mais si on regarde quantité moun que ont approuvé dans 10 mois qui rivé là yo, on capable dire que li un succès. Yo même yo wel li un succès. Par exemple, nan yon pour parler que moi té fait pour mandé yo et compte rendu pour mander yo et quantité monde qui vini qui jan bagay yo ye nan j'ai pas yo yo wè que c'est un succès que lié et ça moi dit que ça oui c'est un succès pour quantité monde qui approuvé pour quantité monde qui rentré mais li pas un succès le wap gade quantité pourcentage monde qui joine et monde qui joine moyen pour yo rentrer par rapport à quantité monde qui appliqué. Mais ça que gagne parallèlement gagne tout et programme ça parallèlement programme ça États-Unis pas campé sur programme déportation ni. Non, malheureusement programme déportation et ça que me veux clarifier tout pour monde qui attendait non. Tout ça qui fait gagne en partie qui bon gagne en partie qui pas bon là-dedans. Et nous voulons rappeler nous tout que faut songer même programme humanitaire là yo te bali à condition que pays Mexique te tout a accepté pour retourner moun nan quatre pays sa yo le yo a essayé rentrer dans façon irrégulière yo kembe yo te ni droit voyer yo retourner Mexique et yon nan condition tout c'est déportation qui continue
et nous gagnons information qui peut confirmer complètement. Et nous tous connaissons que nous-mêmes, nous n'avons pas aucune information qui n'est pas confirmée et que nous n'avons pas gagné toute information sur eux. Mais nous connaissons tous chaque mois, chaque fin mois, États-Unis voyaient une déportation à Haïti. Garline Joseph, c'est directrice exécutive Asian Bridge Alliance. Elle t'a répondu à une question Jean-Robert Philippe sur question immigration. L'autre point dans l'actualité a gagné un conflit territoire entre Venezuela avec Guyane qui apprend l'autre dimension malgré que deux pays ont été joignés en tente et ça a gagné quelques semaines. Dernier développement sous question ça avec Gentil Augustin Junior. En une escala supérieure. Président vénézuélien Nicolas Maduro condamné déploiement yon bateau guerre britannique dans Guyane et bay l'ordre pour militaires vénézuéliens yo déployé pour protéger territoire bolivarien. Así que el día de hoy hemos sacado un comunicado de repudio. Nous publié jeudi a yon déclaration condamnation. Rejet. Là-dedans Venezuela réservé toute action constitutionnelle dans cadre loi international pour défendre intégrité territoriale nouan, glo nou yo, Atlantique nouan ak souveraineté nationale nou. C'est peut-être ça, moi te bay l'ordre pour déclencher une action avec toute force militaire bolivarienne sous côte l'Est Caraïbe là dans Venezuela, sous côte Atlantique là, une action défensive pour répondre à provocation et puis menace Royaume-Uni contre la paix et souveraineté pays nous. Président vénézuélien Nicolas Maduro dit hier jeudi 28 décembre, déploiement yon bateau guerre britannique dans la mer Guyane violé esprit yon accord entre autorité vénézuélienne yo ak autorité Guyane yo. Guyane ak Venezuela te d'accord bien bonnen nan mois ça pour éviter utiliser force et puis éviter tension kap grandi nan conflit frontière ya qui dirait longtemps sous territoire Esquibo qui gen l'huile d'olive. C'est la rotura del espíritu. S'écraser l'esprit dialogue là, diplomatie ak la paix à koy yo. Jean Venezuela te annoncé et se menas Royaume-Uni contre yon peuple noble, calme mais vaillant, peuple vénézuélien. Nous te parlé ak ministre affaires étrangères yo, ak premier ministre yo ici là, yo tout te mandé pour Guyane camper bateau menace sa kap vini. Et Guyane te ratifié en cachette que li pral recevoir bateau menaçant ancien empire britannique décadence là. Bateau patrouille Royal Navy HMS Trent visite Guyane, yon allié britannique et ancien colonie. Nan cadre yon série engagement nan région. C'est ça ministre défense britannique l'ont dit nan yon communiqué. Pi bonnen nan mois ça, sans le pas de faire référence à Venezuela ni problème sous frontière ya. Région Esquiboa qui mesure 160 000 km² généralement reconnaît comme yon partie nan Guyane. Mais dans dernière année yo, Venezuela a revendiqué droit li sous territoire ça ak zone la meya après découverte important l'huile d'olive ak gaz. Leader militaire yon nan l'Est Venezuela te di nan yon émission que 5600 militaires habillés te paré pour opération. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Merci Gentil ou sous VOA Creole alors que nous avons présenté au dernier édition nous pour Anéa. Merci d'être que ou t'es avec nous pendant Anéa et ou continuer avec nous pendant l'année 2024 là. Rete branché. Et qu'on y a actualité à mener nous dans le pays d'Haïti avec yon rale sous quelques grands points qui étaient dominés. Actualité dans le pays d'Haïti avec Massia Dovelme. La vie sociale et politique pays d'Haïti est chargée avec rebondissement pour l'année 2023. Yon l'année qui a commencé avec une nouvelle en pile Haïti pas de kakwe. Ce programme parole gouvernement américain a annoncé le mettre campé en faveur citoyens quatre pays différents. Parmi eux, Haïti. Une situation qui t'a créé raz-de-marée avec pour laisser frapper dans tout bureau d'État, cap livrer documents qui lient avec passeport qui permet de participer dans le programme Yurile, le programme Biden. Là. Yon l'autre côté, citoyens dans divers quartiers, surtout dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, courent tribo par bord pour gang cap marcher sur eux. Sorti Fojac, Chancré Tabac, Jean Bibelet, passé Cafoufei, Tobé Mariani, ce n'est pas des familles qui ne sont pas déplacées. Mais plus toujours, ce n'est pas des gens qui n'ont pas perdu proche. Mais plus gros victimes, d'après l'organisation qui est intéressée à cause de violence, c'est les femmes actives. Pourtant, malgré toute méchanceté et exact malhonnête, la société et la police nationale n'ont pas traité de bois croisé face à la gang.
C'est dans ce sens ça, dans le commencement du troisième trimestre de l'année 2023, puis précisément le 24 avril, le mouvement Bois-Calé a été lancé. Un mouvement qui voyait un pile bandit dans le pays sans chapeau. D'après le rapport Centre d'analyse et recherche droits de l'homme, c'est plus passé 200 présumés bandits qui étaient morts dans le mouvement Silla. Sans ce mouvement t'apprend, avec la barricade en pile côté, fait un pile monde qui est payant et qui a tombé dans un log. Ça qui fait différence, année Silla, à 4 derniers ça qui étaient venus avant lui. Pas de pays log année ça. Et même barricade finit par disparaître dans l'arrière. Mais ça pas empêché un pile zone fermée avec barrière pour éviter les kidnapping avec l'autre encore. Pour finir chapitre gang, il est important pour nous souligner l'opération la police dans la boule 12 qui démantèle les gangs qui étaient dans la tête de Timakak et qui voyaient dans le pays sans chapeau avec plusieurs autres acolytes. Mais le combat est long toujours et peut-être pour commencer tout bon vrai. Même si tout le monde parle avec le même chien. Mais en pile haïtien, il y a une force multinationale qui doit venir pour te bourrade dans une mission qui a dans la tête du pays Kenya. Votre Conseil de sécurité des Nations Unies, dans la date octobre 2023, a approuvé la mission SILA. C'est un autre événement qui a marqué l'actualité à bon côté la trieste sanction pays États-Unis, Canada et Saint-Domingue, by un pile businessman, responsable politique, ancien dirigeant et parlementaire haïtien. Yon bagay, pièce moun pawe kap vini pour année SILA. Toujours dans ce qui concerne haïtiens et étrangers, dossier canal n'a pas capacité. Projet canal ça sur rivière Massacre, télé met une lampe entre haïtiens et autorité kay voisin. Un projet qui te montré en pile solidarité dans mitan haïtien. Mais ça qui si tout marqué pays dans l'année ça qui fini là beaucoup de insécurité a, c'est la vie chère. Côté taux inflation passé plus que 30%. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia de Villemé pour VOA Créole. Nous avons toujours dans le pays d'Haïti et nous allons parler de bilan avec l'association propriétaire et chauffeur d'Haïti qui dresse un bilan sombre sur l'année 2023. Yves Manuel. Dans un bilan présenté le 28 décembre 2023, l'association propriétaire et chauffeur pays d'Haïti fait connaître bandit Axam kidnappé 9 chauffeurs pendant l'année 2023. Une situation qui a une grosse conséquence sur la vie chauffeur. Côté 23 qui perdu la vie, parmi eux, bandit ont passé en bas de feu 6. Yon l'autre côté, policiers ont blessé 5 autres chauffeurs. Dernier incident qui arrivé dans Kassa, c'est 23 décembre qui s'est passé là dans Belader. Bandi yo également ciblé passagers côté gen 382 qui kidnappé principalement dans région Gromon à Kliankou. Plusieurs compagnies c'était principales victimes dans zone Mon Cabrit. En plus, gen 146 machines qui détournaient avec marchandises sans compter passagers qui étaient là-dedans. Sous plan humain, chiffre victime yo assez lourd avec 79 passagers bandi yo tué. Côté gagné 31 là-dedans yo passé en bas du feu. 182 l'autre blessés dans différentes localités notamment Bon Repos, Canaran, Mon Cabri, Bedet, Sous-Matla et La Trier. Dégâts matériels yo également lourd avec 68 machines qui boulaient dans diverses zones tant que ça vient Liankou, Canaan, Mariani, Torsel, Peigné et Bon Repos. En plus, gen 62 machines qui endommagé. Machine sa yo c'est engin lourd police nationale là qui endommagé dans diverses localités pendant yo t'a mené opération. Face à cette situation ça APCH mandé autorité pour prendre mesures pressé pour garantir sécurité chauffeur, passager et entreprise transport. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves. Plus passé yon trentaine gros dirigeants ou bien anciens gros dirigeants parmi yon ancien président Joseph Michel Martelly, Jocelyn Privert ak ancien premier ministre Evans Paul ak l'autre encore yon doit répondre question juge d'instruction Daniel Dimanche sous question qui gen rapport ak corruption ou yon Toussaint. Juge instructeur Daniel Dimanche déjà émet environ 36 mandats comparution dans cadre dossier ça qui aljoine deux anciens présidents haïtiens, Joseph Michel Martelly, Jocelyn Privert, pour complicité corruption, 8 anciens premiers ministres, Jean-Max Bellerive, Laurent Lamotte, Evans Paul, Joseph Jout, Jean-Michel Lapin, ak divers lot, ak plus passé, yon quinzaine anciens ministres, notamment Fritz Kayo, Dr. Florence Duperval, Wilson Edouard, Joasius Nader, ak plusieurs parlementaires, tant coup par exemple, Willow Joseph, Francisco de la Cruz,
à Clovis Oba, ancien député également, de présenter devant carré juge cap mené enquête sous révélation corruption unité lutte contre corruption ULCC1. Quant à vous, directeur général Centre national équipement CNE, Kenton Louis, ak ancien DG institution, juge Célestin, qui était déjà boudé yon première invitation, eh bien, juge la passe l'ordre pour Mario Koukrab mené Bali en état. La justice haïtienne dit déterminée cette fois-ci pour capable combattre tout bon vrai, tout corrupteur a corrompu qui empêchait administration publique là bien fonctionner dans le pays. Renan Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. Et qu'on a actualité à mener nous dans le département Nord-Pays, côté yon test ADN montré que yon dame qui a été présentée dans le cap haïtien comme yon présumé zombie, mais pas de mourir vraiment. Détail avec journaliste VOA Créole dans le département Nord-Pays, Gérard Maxino. Selon résultat ADN que deux institutions qui spécialisées dans le domaine réalisé sous une dame qui a été présentée comme étant un zombie, analyse a révélé que dame lancée Olianta Joazil elle pas de jamais mourir d'après commissaire gouvernement juridiction au Caplan M. Charles Edouard Durand qui était l'ouvri résultat ADN devant caméra VOA Créole. Un, dame n'a pas de jamais mourir qui était mort vraiment et que deuxièmement dame nan c'est bel et bien famille de frère sacré réclamé là qui relé Léonel Joazil. Dame nan pas un revenant, il pas un zombie, c'est quelqu'un qui a été perdu égaré de sa famille. On l'a retrouvé. Donc effectivement, c'est une dame qui appartient à cette famille de Plaine du Nord. Responsable Céleste ADN, Jean-René Modestine, qui t'a interprété résultat et expliqué pas gain doute encore, dame ça c'est Léonel Joazil qui t'a réclamé depuis le commencement. Nous fait test là effectivement et test en sorti avec un nan frère. Alors yon nan moun qui t'a dit c'est frère là. Nous frère était ça révélé normalement que monsieur frère 100% frère et même père. Parfois quand un frère de consanguinité seulement de côté maternel. Ouais et puis pas petit papa mais eux même test là révélé que eux même maman même papa. C'est-à-dire que c'est vraiment frêle, puisque là, tu as trois familles réclameuses. Famille, ça ne te fait pas ça avec là, qui te dit pas mourir, effectivement, sur le monde qui t'a perdu. Jean, c'est juste d'expliquer là, qu'on a nous fait ça avec le monde ça qui t'a réclamé là, qui te dit que t'es perdu, nous avons une vérité en clair, et qu'on n'a pas aucun doute encore que normalement, Olenta Joazi, c'est vrai non, et puis Léonel Joazi, c'est frêle. Il y a frère, même père, et il y a une consanguinité, scientifiquement, c'est ça. Sans cas, dis-le pas scientifique. Pour capable monde capable tourner des résultats ça yo résultats ça va sortir dans sacré les marqueurs génétiques nous connaît chaque monde qui vive nous gagne un matériel génétique qui na ADN nous ADN c'est matériel génétique dans matériel génétique ça pour gagner des marqueurs génétiques ça fait les marqueurs génétiques parce que c'est des allèles qui campent un côté spécial qui en anglais on les locus ça veut dire situation lieu etc. Donc dans locus nous gagne 20 marqueurs comparables. Ouais, à deux, nous jouons moun sa yo tout marqueur génétique yo a l'aile sa yo qui sont notre version du gène. Effectivement, moun sa yo c'est frère et sœur. Par aucun doute encore, d'ici Bali nous venir avec en Haïti et nous remettre ouais, c'est génial clair que moun sa yo c'est frère et sœur. Donc doute qui sont zombies, il éliminé. Ouais, nous éliminer scientifiquement que je dans Olenta Joazil c'était un monde qui t'a vécu égaré, les frères Léonel Joazil parce que test ADN nous révélé qu'il y a un lien de consanguinité jusqu'à 99% de comparaison de sacré les marqueurs génétiques. Avant test ADN, tu as plusieurs familles qui t'ont réclamé Olenta Joazil. Gira Maxino Capaïtien pour la Voix de l'Amérique. Merci Maxino, nous avons fait un petit point et avant nous avancer, gagner différence entre Guyana et Guyane. Guyane c'est un département d'outre-mer pays la France et puis Guyana nous avons tendance à traduire Guyane mais c'est Guyana et pour lui-même qui c'est une ancienne colonie et Royaume-Uni en colonie britannique. Et qu'on y a nous allons passer dans nouvelle souvenirs avec Serge Rodriguez. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'actualité culturelle semaine ça sur VOA Créole. Que nous allons aborder plusieurs sujets. Nous avons d'ailleurs un pouvoir avec une statue en bronze fait pour Shakira dans la ville de Bam qui est en Colombie. Nous avons un pouvoir avec Beyoncé qui débarque sans attendre au Brésil à cause du film liant qui est les Renaissance.
Superstar musique mondiale d'origine colombienne Shakira, qui déjà remporté plusieurs prix Grammy et qui c'est une vedette qui vend plus d'albums sur planète là, et bien ville Barranquilla à côté l'ombre intérieure a décidé rendre Manzé immortel à travers un beau statue en bronze qui reflétait danse en bâtiment qui qu'on exécutait sous scène concertée. Magistrat ville Barranquilla Jaime Pumarejo dévoile sculpture en bronze 6,5 mètres hauteur m'a dit passer n'ayant pas qu'attraction tout près fleuve Magdalena en présence maman et papa superstar mondial. Sculpture ça que artiste no Marques Crier montrer plusieurs millions de jeunes timides qui sont capables de poursuivre bio et que n'importe là-dedans est capable d'accomplir objectif dans la vie. En tout cas, c'est magistrat Pumarejo qui a fait déclaration si là dans l'aria parce que les dit il est habitué au Shakira qui a participé dans concert pour Timon l'élite petit. Et statue a marché avec une plaque d'honneur côté yo rend hommage par artiste d'origine colombienne qui a remporté 3 prix Grammy pour l'année 2023. Shakira a une fondation en bas de pièces descalzos, qui veut dire pieds à terre en créole, une fondation qui a aidé Timoun dans le domaine développement en bas âge. Bon, chaîne télévision britannique BBC de Londres, se fait grande première un film qui peut être Charles III année couronnement, en date 26 décembre passé. Dans la production, si là, mon kawe nouveau monarque Angleterre, c'est ma petite garçon li, avec petite li, dans l'abbaye Westminster pendant la répétition avant cérémonie couronnement qui est déroulée dans le mois mai passé. Il y a un autre clip dans le film ça qui montre Charles III qui part de service, qui a fait un petit promenade aux alentours château Balmoral là, en Écosse, avec la reine Camilla, un château la reine Victoria. Qui a été acquéri dans l'année 1852 et que diverses générations royales ont utilisé depuis les ça. Il y a quelques médisants mal parlants qui font comprendre qu'il y a pile causé, oui, qui passe en deux dans le château Balmoral. En tout cas, Paul dit que c'est dans vos 16 jours, nous t'étendons causé cela. Bon, Kounia n'a quitté causé pour nous prendre parole. Superstar musique américaine Beyoncé fait une visite sans attendre dans le pays Brésil. Côté l'été répond présent dans un événement qui a fait promotion pour le film Renaissance Lia, dans la date 21 décembre passé dans la ville Bahia. Chanteuse américaine n'a été montée sous scène avec un habit en couleur argent et l'été développé avec drapeau ville Bahia. On s'est dit qu'il était important pour lui en pile pour répondre à l'appel dans Bahia. Renaissance est une production qui est basée sur le virage musical mondial. Vedette la saute fait pour saison été à côté l'été by 57 concerts en Amérique du Nord, mais il y a 14 autres prestations en direct dans 14 villes sur le continent européen. Mesdames et messieurs, merci un pile de ce côté et suivre Nouvelle Souvenette jusque-là. Ma prophétie dit toute fanatique nous, bonne année 2024. Pour Nouvelle Souvenette, moi c'est Sergio Rodriguez. C'est bel bail, on veut d'être à bail nouvelle sous vedette pareille. Et c'est là tout, mesdames, messieurs, nous mettez fin dans le programme. Non, c'est ton plaisir pour nous te présenter au programme. Ça, même, c'est ton plaisir tout pendant toute année 2023 pour nous te ensemble. C'est la dernière édition. Nous voulons dire tout le monde bonne année. Non, chef service là, Sandra Lemaire, qui en vacances, mais qui toujours travaille en bas. Et nous dit, et n'a déjà dit le bon retour. Et puis nous dit tout, Jean-Robert Philippe qui est en vacances. Eh bien, bonnes vacances, nous dit Valério Saint-Louis, bon retour. Nous avons dit Fred et Kaimito qui vient pour rejoindre nous, bon retour. Nous voulons saluer les amis qui t'ont aidé, nous mettre le programme ça sous pied. David qui était derrière, et puis Nick Ivanov qui est avec nous, et puis Samblier El Señor. El Señor n'a parlé de Nelson qui t'a avec nous aujourd'hui. C'est ton plaisir, comme d'habitude. Moi, c'est Jacqueline Bélizère. Et nous avons tout service à nous dire nous bonne et heureuse année 2024 avec la paix, modération et en pile prospérité. Bonsoir tout le monde.